Implanté en plein cœur du quartier 77 de Dany, le garage mécanique moderne Royal Service fait désormais la fierté du 3e arrondissement Tchétché avec des équipements à la pointe de la technologie dont voici un aperçu. Là, nous avons les équipements marque noire. Là, nous avons les équipements marque des clés à filtre. Et là, nous avons les collecteurs de la batterie. Royal Service offre une diversité de services à la portée de toutes les bourses, pilotées par un personnel qualifié. Serge Ngouma, directeur général de cette structure, sur les raisons de son implantation à Tchétché et les différents services offerts. Parce que la majorité de ce genre de structure, on les trouve au centre-ville. On a pensé que tout le monde n'a pas la possibilité de s'y rendre. Et même les prix qui sont proposés dans ces garages-là, ne répondent toujours pas à la réalité du Congolais moyen. Il y a la mécanique générale, il y a la tôlerie, il y a la peinture, il y a aussi la formation. Cette structure importante a pris près de 3 années à son promoteur Igor Bikandou, qui en explique la vision. Je suis expert comptable de profession. Alors la mécanique, j'ai vu que c'était un besoin au Congo, parce qu'on a un problème ici, des matériels et puis l'expertise. Alors j'ai essayé de tenter d'amener l'expertise qui se trouve ailleurs, ici au Congo, afin que nous puissions plus se déplacer pour aller ailleurs. On peut avoir la technologie ici, si on peut faire ça ailleurs, pourquoi pas chez nous au Congo. En Europe, partout, les pays développés, c'est ce qui se passe. Vous avez tout au même place. Donc si une personne venait pour l'assurance, les véhicules, vous voyez un peu, il y a la tôlerie ici, s'il y a les accidents, donc ça se combine. Avec plus de 20 employés, Royal Service vient tant soit peu participer à la réduction du taux de chômage dans la capitale économique. Représentant le maire du dit arrondissement, Keon Ongilou, apprécie l'initiative après la visite des installations. Vu le travail que le jeune Congolais a fait de ses propres moyens, ses propres forces et ses idées, c'est vraiment à féliciter. Nous, représentants de cet arrondissement, nous sommes très fiers qu'on ait un œuvre comme celui-là dans notre arrondissement. À noter que Royal Service est également implanté en Afrique du Sud dans le domaine du bâtiment et autres services.